Ça va, vous avez pas faim? Ah bah là, dis avec mamie, attends. Je vais mettre le flash chez vous, c'est... Je marche tout droit. Oui, c'est...
My own, my
Ouais, non, là en fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Là, c'était des escorts. C'était une blague. C'était pour le fantasme, un peu des invités. Donc, deux mythiques, ils vont se rencontrer dans des lieux plutôt publics au départ, mais hautement touristiques. Le McDo de Lille. T'osais pas. Le Carrefour Market de Rendufille. Puis, progressivement, ils vont se faire des week-ends plus romantiques. Prague, Venise, le Maroc. Mais bon, là, c'était beaucoup moins drôle parce qu'il y avait les enfants. Mais bon, d'ailleurs, avec eux, ça marche. La famille se recompose. Et là, Bérangère et Bertrand, eux, composent. Les choses vont très vite. Ils achètent ensemble une maison pour partager le quotidien et les factures. Enfin, comme dans les films d'amour, Bertrand fait sa demande de fiançailles dans des circonstances, on va dire, épiques. Bon, je ne détaillerai pas le... Elle a vomi toute la nuit. Mais bon, je sais que c'était un moment fort et intense. Dans la vie de Bérangère. Encore, pour la rime, je précise donc avec Mythique les rencontres fort romantiques. Et voilà, maintenant, nous sommes donc tous réunis pour faire de ce jour un moment exceptionnel et être le témoin de votre amour en vous rappelant que si l'amour c'est de la physique, le mariage c'est aussi de la chimie, voire de l'alchimie. C'est beau, là. Aujourd'hui, ce mariage est parfait. La robe de la mariée, le costume du marié, oubliez la tenue des invités, bien sûr. La cérémonie, le menu de ce soir, qui nous fait pétiller les papilles. Donc félicitations à vous d'avoir su organiser un si bel événement, en vous souhaitant une longue et belle route ensemble et un beau voyage de noces. Qui sait, peut-être à la Martinique. Bon, là, c'était pas ça, c'était non, Corse. Mais bon, c'est pour la rime. Ah, donc, à la Martinique ou à défaut à Pornic. En tout cas, vous formerez à coup sûr un couple mythique. Et mythique comme le site. Voilà. Donc, bisous et bonne route à vous deux. Voilà. Oh,
On peut retourner dans l'autre sens si on veut. Allez, foutez-moi le bordel!
Il a vu les vertus, il avait bâti de ses mains, les poètes et les troubadours ont chanté une chanson là. Les poètes et aux gens humains, de meilleurs lendemains. Il est venu le temps des cathédrales. Avoir une fille, c'est faire une femme. Une petite virtuose, avant ses gars. Avoir une fille, un cœur de sable. Cadeau de Dieu, cadeau du diable. Avoir une fille, c'est faire un crime. Où le coupable est la victime. Avoir une fille, elle est ma vie, elle est mon sang, elle est le fruit de mes 20 ans, et je maudis tous ses amants. Elle est ma vie, elle est mon sang, et je maudis tous ses amants. Avoir une fille, trembler de peur qu'elle se maquille pour un menteur. Avoir une fille, c'est plus jamais traiter les femmes comme je l'ai fait. Avoir une fille, à jouer les hommes et leur regard. Je sais leur ruse et leur victoire, et quand viendra le jour où l'un d'eux me prendra ma fille en m'appelant monsieur, alors ce jour et pour toujours, je fermerai mon cœur à double tour et je deviendrai sourd. Avoir une fille, c'est continuer à espérer et croire encore que quand viendra le jour de ma mort, elle portera tout au fond de son corps cette étincelle de celui ou celle qui à son tour et par l'amour viendra crier le cœur si lourd. Avoir une fille, une petite part, des yeux qui brillent, une peau si pâle. Avoir une fille, c'est faire un crime, où le coupable est la victime. Avoir une fille, avoir une fille.